et les règles antidopage, principe déontologique. En raison de l'influence importante qu'il peut exercer sur les sportifs, l'entraîneur est un acteur de premier plan dans la prévention du dopage. En vertu du lien contractuel qui unit une organisation sportive et les personnes qui participent à ses activités, le Code mondial antidopage, le Code, confie donc à l'entraîneur des rôles et des responsabilités. Le Code précise que l'entraîneur doit prendre connaissance et respecter tous les règlements antidopage qui s'appliquent à lui et aux sportifs qu'il encadre, coopérer avec le programme de contrôle du sportif, influencer les valeurs et le comportement du sportif en faveur de l'antidopage. De façon générale, l'entraîneur devrait promouvoir l'esprit sportif et les valeurs qui s'y attachent, se familiariser avec la liste des interdictions, sensibiliser les sportifs relativement à l'usage des médicaments, de suppléments alimentaires et de drogues de rue. Demeurer vigilant et intervenir dans des situations où il considère qu'un sportif contrevient aux règles antidopage. De plus, à un niveau de compétition où des contrôles antidopage sont effectués, l'entraîneur devrait consulter régulièrement le site web du code antidopage dans le but de garder à jour ses connaissances sur la liste des interdictions, de même que pour connaître les faits nouveaux en matière d'antidopage. Transmettre cette information à jour aux athlètes, connaître son rôle en tant que représentant de l'athlète. Se familiariser avec les procédures de contrôle du dopage. Et en informer les athlètes. Conseiller les athlètes pour que ces derniers respectent leurs obligations, notamment s'ils font usage de médicaments ou de suppléments alimentaires. Informer les athlètes des conséquences liées à un test antidopage positif. Quoi faire en cas de soupçon? Le coach ne doit pas fermer les yeux sur une infraction potentielle de dopage. En vertu du code, il a le devoir d'intervenir s'il soupçonne un sportif de se doper, même s'il est partagé entre le lien de confiance qui unit au sportif. Leur intérêt commun et les règles du sport, il se doit d'agir. L'entraîneur doit se rappeler qu'il peut lui aussi faire l'objet d'une enquête si un de ses athlètes, dont il a la responsabilité, a violé les règles. Il doit donc être vigilant pour se protéger au cas où un tel événement se produirait. À un niveau de compétition où les contrôles antidopage sont effectués, l'athlète est supposé connaître les règlements. Un entraîneur n'a pas à régler lui-même ce problème, il devrait en référer à sa fédération sportive ou au comité. À un niveau de compétition où il n'y a pas de contrôle antidopage, l'entraîneur peut adopter une approche d'éducateur. Cette approche consiste notamment à discuter avec le sportif pour savoir s'il connaît les règlements antidopage et, le cas échéant, à lui apprendre quelles sont les substances interdites. Vérifier s'il y a véritablement dopage, conscient ou non. Sensibiliser le sportif à l'éthique, à la santé. Lui signifier qu'un entraîneur ne peut tolérer qu'un de ses athlètes se dope. Faire en sorte que le sportif s'engage à ne plus faire usage de produits dopants. Lorsque ces démarches n'ont pas le résultat escompté et que l'entraîneur croit avoir affaire à un cas de dopage, il devrait en référer, selon le cas, à son organisation, à sa fédération sportive ou au responsable du sport étudiant de son institution scolaire. Conseil aux entraîneurs. Soyez un promoteur de l'antidopage. Profitez de la grande influence que vous exercez sur les sportifs pour leur transmettre des valeurs positives. Il ne faut pas tenir pour acquis que les sportifs ne se sentent pas concernés par le dopage. Indiquez clairement que vous ne tolérez pas qu'un de vos athlètes se dope. Informez, responsabilisez les sportifs. Renseignez-les sur les règlements en vigueur et envoyez-les vers les sources de renseignements appropriées. Au besoin, aidez les sportifs à se conformer aux règles. Soyez prêt à agir en tant que représentant de la tête et à l'aider à respecter les exigences relatives au contrôle antidopage. Si nécessaire, aidez-le à remplir le formulaire, autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour se soigner. Réagissez aux besoins. Soyez prêt à intervenir dans des situations où vous croyez que les règles sont transgressées. S'il y a lieu, demandez conseil à votre fédération. Le dopage contrevient à l'esprit du sport. Le dopage contrevient aux règles et à l'éthique du sport. Les règles sont une composante essentielle du sport. Chaque sport repose sur un ensemble de règles qui dictent notamment le déroulement du jeu, le pointage, l'équipement, le terrain, etc. et qui établissent les normes de participation, l'âge, la catégorie, le poids, etc. Voilà. Ces règles favorisent l'équité et la sécurité. Ainsi, un boxeur ou un judoka poids lourd ne peut pas combattre un adversaire poing plume. Deux équipes qui s'affrontent au cours d'un match de football doivent avoir des buts de dimension identique. Le dopage constitue d'abord un manquement aux règles et à l'éthique du sport. On l'interdit car il procure un avantage injuste sur les autres compétiteurs. Sans règles, il n'y aurait plus de sport. Pourquoi combattre le dopage? Le dopage enfreint le contrat sportif. Faire du sport, c'est s'engager et respecter certaines règles, comme on respecte les clauses d'un contrat. Personne n'est contraint de participer, mais tous les sportifs ont l'obligation de se conformer au règlement.
Le dopage constitue une rupture du contrat du sportif. Ce dernier trahit ainsi ses engagements envers son sport et envers les autres participants. Le sportif a des responsabilités. Pourquoi lutter contre le dopage? L'excellence ne peut s'atteindre par le dopage. Le sport propose des défis et sa pratique favorise l'exploration de ses limites personnelles et le dépassement de soi. Par la compétition, on peut mesurer et célébrer l'excellence sportive et humaine. Or, celle-ci ne peut s'atteindre par l'utilisation de moyens illégaux. La victoire, ce n'est pas seulement de battre l'adversaire. Les champions qui méritent notre estime ne recourent pas au dopage. L'excellence s'atteint en gagnant, dans le respect des règles. Le dopage mine les bienfaits associés à la pratique du sport. Le dopage menace les bienfaits liés au développement de la personne aussi. Le sport est un moyen qui favorise le développement personnel de la personne. On dit qu'il est formateur dans la mesure où, en inculquant des valeurs comme le respect des autres et des règlements, l'honnêteté, la camaraderie et la persévérance et l'estime de soi, il favorise des expériences qui préparent à la vie en société. Pour réaliser ce grand potentiel de formation et d'éducation, le sport doit être pratiqué, enseigné, encadré et encouragé dans un véritable esprit sportif. Le dopage nie les valeurs formatrices du sport. Le dopage menace la santé. Le sport permet de lutter contre la sédentarité et de prévenir les maladies qui y sont associées. La lutte au dopage vise aussi à protéger la santé des sportifs et à préserver les effets bénéfiques obtenus par la pratique du sport. Les dangers associés à l'utilisation ou à la surconsommation de certains produits dopants sont suffisamment documentés pour dissuader les sportifs de les utiliser. Si le dopage était légal, cela équivaudrait à demander à chaque sportif de mettre sa santé en danger pour pouvoir rivaliser en armes à armes égales avec ceux qui y recourent. Se doper, c'est mettre sa santé en jeu. Le dopage menace le sport. Dans la société, le sport est un moyen qui permet d'atteindre des objectifs individuels, forme physique, plaisir, dépassement de soi, etc., ou collectif, santé, éducation, etc. À ce titre, son existence se justifie par son apport social. Ce rôle positif fait en sorte que beaucoup de personnes le pratiquent, que les parents encouragent leurs enfants à s'y adonner et que les gouvernements en favorisent l'organisation et la pratique. Chaque fois qu'un athlète est reconnu coupable de dopage, il contribue à discréditer le sport et les valeurs qu'on lui attribue. Chaque personne associée au sport doit jouer son rôle pour faire du terrain de sport un environnement sain et porteur de valeurs positives. Celles-ci doivent permettre le développement du sportif, tant sur le plan des habiletés athlétiques que sur les plans personnels et social. Le dopage, ce n'est pas du sport. Conseil aux entraîneurs. Soyez un promoteur de l'éthique sportive. L'entraîneur est la personne la mieux placée pour offrir aux participants une éducation en matière d'éthique sportive. Prenez le temps de transmettre des valeurs positives et par votre comportement, donnez l'exemple aux sportifs. Au besoin, intervenez dans des situations où les règles de l'éthique sont transgressées. Avec les sportifs et avec leurs parents, discutez du sport et de ses valeurs. Dans le cadre de ces conversations, demandez-leur les raisons et de leur intérêt pour le sport. Parlez avec eux des valeurs du sport, de celles qui sont importantes pour eux et de celles que vous voulez véhiculer. Demandez-leur de définir l'esprit sportif et comparez leurs réponses avec les définitions proposées dans la charte de l'esprit sportif. Discutez avec eux des principes sur lesquels se fonde la lutte au dopage. Les substances dopantes et les méthodes de dopage. On peut donner une définition générale du dopage comme étant l'utilisation au cours de compétitions sportives ou en vue d'y participer d'une substance ou d'une méthode interdite. L'Agence mondiale antidopage est l'organisme responsable de l'élaboration et la révision de la liste des interdictions. Plusieurs critères sont pris en considération pour inclure une substance ou une méthode dans cette liste, notamment le potentiel d'améliorer la performance, le risque pour la santé du sportif et un usage contraire à l'esprit sportif tel que le décrit le Code mondial antidopage. Principales substances et méthodes interdites. Voici les principales substances et méthodes qui figurent dans la liste des interdictions. Il faut noter que certaines sont interdites en permanence, en compétition et hors compétition, alors que d'autres le sont seulement dans le cadre d'une compétition ou de certains sports. Les stimulants sont des substances qui agissent surtout sur le système nerveux central et cardiovasculaire. Les stimulants les plus connus sont les amphétamines, l'éphédrine et la cocaïne. La caféine, sans être interdite, est considérée dans le programme de surveillance de l'Agence mondiale antidopage. Les narcotiques sont des substances utilisées pour combattre la douleur. La morphine et l'héroïne font partie de cette catégorie. Les agents anabolisants sont des dérivés chimiques apparentés à la testostérone, une hormone produite dans le corps humain, et ils sont mis au point de façon à produire un effet semblable aux stéroïdes naturels.
et diurétiques sont des substances qui agissent sur les reins en augmentant le volume d'urée formé, ce qui favorise l'évacuation de grandes quantités d'eau. Les hormones et substances apparentées incluent notamment l'hormone de croissance humaine, HGH, et la gonadotrophine, chorioquine humaine, HCC, qui ont des effets anabolisants. L'érythropoïtéine, EPO, est une hormone qui stimule la production de globules rouges. Les bêta-bloquants sont des substances utilisées pour traiter les maladies de cœur en abaissant la tension artérielle et la fréquence cardiaque. Ils servent aussi à soigner des migraines et contrôler les tremblements. L'alcool et les cannabinoïdes, haschich, marijuana, sont utilisés dans le but de réduire le stress. Les glucocorticoïdes sont utilisés principalement comme anti-inflammatoires. Elles soulagent aussi la douleur et produisent un effet euphorique. L'amélioration du transfert d'oxygène s'obtient par les méthodes comme l'utilisation de globules rouges ou de produits sanguins et par la consommation de produits visant à l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène. La manipulation chimique et physique se fait par des méthodes comme la cathétérisation et la substitution d'urine. Ces méthodes visent à altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis au moment des contrôles antidopage. Le dopage génétique inclut toute méthode permettant d'augmenter la performance sportive en se basant sur une utilisation non thérapeutique de cellules, de gènes, d'éléments génétiques ou sur la modulation de l'expression génique. Rappeler les enjeux relatifs à l'éthique et à la santé. Insister auprès des sportifs sur les considérations d'éthique relatives au dopage. Prenez connaissance de la liste des interdictions de l'AMA en vous appuyant sur le tableau, quelques substances et leurs effets. Discutez des dangers du dopage. Conseil des entraîneurs, responsabilisez les sportifs. Dites-leur qu'ils doivent respecter le contrat sportif et que chacun a un rôle à jouer pour que le sport demeure une institution. Rappelez aux athlètes visés par les contrôles antidopage que le programme antidopage leur impose certaines obligations. Informez-les et aidez-les au besoin à respecter les exigences relatives au contrôle antidopage et se conformer au programme antidopage, notamment quand ils font usage de médicaments ou de suppléments alimentaires. Combattre le dopage par un bon entraînement. Lutter contre la dépendance aux solutions miracles. Dans un milieu très compétitif, plusieurs sportifs auront tendance à chercher des solutions de rechange au dopage, des raccourcis qui leur permettraient d'atteindre rapidement les plus hauts sommets. Ils en viennent parfois à croire que le succès ne peut être obtenu sans recourir à des aides artificielles. L'entraîneur doit lutter contre cette mentalité qui reproduit la même démarche psychologique que celle du sportif qui se dope. Les fondements de la performance sportive. La véritable solution de rechange au dopage qui favorise la réalisation de bonnes performances sportives réside dans l'apport optimal de quatre composantes. L'amélioration des techniques et de la stratégie, le développement des qualités physiologiques, la préparation mentale et la nutrition. Il faut ajouter de ces éléments l'adoption de saines habitudes de vie qui permettent aux sportifs de maximiser les effets d'un bon entraînement. Pour ce faire, l'athlète doit notamment s'accorder des périodes de repos suffisantes. Trouver le bon équilibre. Il faut que le sportif réalise que c'est l'apport équilibré de ses composantes, selon le sport pratiqué, qui permet l'atteinte d'un niveau de performance. Lorsque le sportif sentira qu'il peut s'améliorer sur plusieurs plans, il aura une plus grande confiance en ses propres moyens et il éprouvera un sentiment de satisfaction. Pour acquérir l'autonomie personnelle que peut procurer le sport, la tête doit d'abord comprendre et maîtriser les composantes de son entraînement. Programme de musculation. Les entraîneurs devraient porter une attention particulière aux sportifs qui suivent des programmes de musculation, aux conditions dans lesquelles ils s'entraînent, ainsi qu'aux compétences des personnes qui les supervisent. Ils devraient aussi s'assurer que ces personnes n'encouragent pas l'utilisation de produits pour l'amélioration des capacités athlétiques. Conseil aux entraîneurs. Lutter contre la dépendance psychologique. Faites comprendre aux sportifs que la performance dépend d'abord de la maximisation des quatre composantes mentionnées plus haut et que rien ne peut véritablement remplacer l'effort, le talent, un entraînement de qualité et des saines habitudes de vie. Fixez des objectifs réalistes aux sportifs. Fixez des objectifs et convenez d'un rythme de progression réaliste qui ne sont pas fondés uniquement sur la victoire, mais aussi sur l'amélioration des diverses composantes de la performance. Un carnet d'entraînement peut s'avérer un moyen concret par lequel le sportif peut suivre leur progression par rapport à ses objectifs. Ne manquez pas de leur souligner les aspects par rapport
auquel vous constatez une amélioration. Mettez aussi en perspective leurs chances de parvenir à un haut niveau. Responsabilisez les sportifs, insistez sur le fait que ces habitudes qu'ils adoptent dans la vie courante ont aussi des répercussions importantes sur leur performance. C'est le cas de l'alimentation, du sommeil, du tabagisme et la consommation de substances telles que le cannabis et l'alcool. Offrez des véritables solutions aux sportifs, la constitution d'un réseau de spécialistes en nutrition ou en conditionnement physique vers qui vous pouvez les diriger pour remédier à un manque de temps ou de connaissances dans certains domaines. Il ne faut pas demander à un sportif de maigrir ou d'augmenter sa force ou sa masse musculaire, par exemple, sans lui proposer de moyens pour y parvenir. Aider les sportifs à accroître leur estime de soi, souligner leur bon coup et la progression dans le développement de leur habileté sportive. Encouragez-les à ne pas valoriser uniquement leur apparence physique ou leurs résultats sportifs, mais aussi ce qu'ils sont en tant que personnes. Soyez conscients de la force des mots faits, particulièrement attention aux mots que vous utilisez pour éviter de les indisposer et pour vous assurer qu'ils comprennent bien vos messages. Ne tolérez pas les remarques désobligeantes relatives à l'apparence corporelle que des jeunes peuvent adresser à un coéquipier. Discutez de dopage sportif. Rappelez aux sportifs que l'usage de certains produits est interdit par les règlements. Chez les sportifs susceptibles de faire l'objet de contrôles antidopage, cet usage peut occasionner un résultat positif et des sanctions. Offrez-leur des solutions de rechange. Rappelez-leur la nécessité d'une alimentation saine et équilibrée. Et s'ils désirent diriger-les vers des spécialistes en nutrition, proposez-leur des exercices particuliers qui leur permettront notamment d'augmenter leur masse musculaire ou de perdre du poids. Au besoin, dirigez-les vers des spécialistes en conditionnement physique qui les aideront à atteindre leurs objectifs sans recourir à des moyens interdits. Responsabilisez les sportifs relativement à leurs habitudes de consommation. Tentez de susciter chez eux une réflexion immature relativement à l'utilisation de produits ergogéniques. Questions et réponses relatives au dopage. Que répondre aux questions et affirmations pièges? Les jeunes reprennent facilement à leur compte des affirmations et des arguments provenant de sources plus ou moins fiables pour éviter qu'ils s'en servent pour justifier le fait qu'ils modifient leur propre valeur en matière d'éthique sportive. Voici quelques suggestions de répliques que l'entraîneur peut utiliser. Se doper est si grave. Les règlements sont une composante essentielle du sport. Ils fixent les modalités relatives au déroulement de l'activité sportive, en déterminant les gestes permis et défendus, l'équipement de jeu, ainsi que les catégories d'âge ou de poids, étant donné qu'ils s'appliquent à tous les participants. Ils assurent l'égalité des chances à chacun d'entre eux, en procurant un avantage injuste. Le dopage va donc à l'encontre de ce principe d'équité. Personne ne force un sportif à participer. Par contre, en s'inscrivant volontairement à une activité sportive, celui-ci s'engage à respecter les règlements. Fondamentalement, le sport est une épreuve qui permet aux participants d'évaluer ses habiletés en affrontant des adversaires. Pour qu'une personne sorte grandie de cette expérience, tant sur le plan sportif que sur le plan humain, les résultats obtenus doivent l'être à la suite d'une compétition fondée sur le respect de l'éthique sportive et des règlements. Et à la suite de ses propres efforts, le vrai sportif ne peut se satisfaire d'une victoire obtenue en trichant, car il sait qu'il ne la mérite pas. S'il existait une pilule magique qui assurait les athlètes de gagner, quelle serait la raison d'être du sport? Comment une personne pourrait-elle savoir où son talent et ses efforts auraient pu véritablement l'amener? Se doper, est-ce vraiment dangereux? En fait, on ne connaît pas tous les effets à moyen et à long terme des produits dopants. Lorsqu'on parle d'effets, on ne songe pas seulement à ceux qu'une personne peut ressentir sur le coup, mais bien aussi à ceux qui pourraient survenir dans plusieurs années. De plus, ces effets peuvent varier selon les individus, en fonction du sexe, de l'âge, du poids, de l'esprit, de l'état d'esprit, de la santé physique et mentale ou de la tolérance d'une personne. Et les produits? Quantité, qualité, mélange, mode de consommation, etc. Peu d'études peuvent donc conclure, hors de tout doute, que le dopage ne comporte pas de danger pour la santé. Plusieurs produits dopants ne peuvent être obtenus qu'illégalement, c'est-à-dire que sur le marché noir. Il est démontré qu'une proportion importante de ces produits ne sont pas purs, qu'ils contiennent parfois des substances dangereuses pour la santé. Est-ce sage d'utiliser un produit censé améliorer la performance, sans savoir s'il y aura des effets néfastes à long terme sur la santé? Pourquoi ne pas légaliser le dopage?
Le fait de légaliser le dopage représentait des économies importantes en matière de contrôle antidopage et en termes d'énergie dépensée dans la lutte antidopage. Cependant, cela équivaudrait à exiger que les sportifs utilisent des produits nocifs pour lutter contre, à armes égales. Comment des organismes ou des parents responsables pourraient-ils accepter de mettre en jeu la santé des sportifs en permettant qu'ils se dopent? Lorsqu'on connaît l'influence qu'ont les athlètes de haut niveau sur les plus jeunes, on peut se demander à quel âge un sportif commencerait alors à utiliser de tels produits. On sait d'ailleurs que certaines substances ont des effets encore plus nocifs sur les jeunes en croissance. Si le dopage était légal et que tous y avaient recours, quel avantage en tirerait-on? De plus, chaque athlète devrait payer pour les produits ou pour le suivi médical que cette consommation nécessiterait. Les gagnants seraient encore les fournisseurs de produits dopants, ceux qui tirent profit de leur vente. Que penser des gens qui suggèrent de se doper? Doit-on questionner sur la crédibilité ou sur les intentions de ces personnes? Quand ce sont des amis, ils le font souvent de façon irréfléchie et irresponsable. Sont-ils vraiment qualifiés pour assurer qu'un produit aura des effets positifs sur la performance d'une personne, tout en ne présentant pas de danger sur sa santé? Dans le cas des personnes adultes, on peut d'abord se questionner sur leurs compétences scientifiques. Ce n'est pas parce qu'une personne a de gros muscles qu'elle est une sommité en médecine, en nutrition, en pharmacologie. On peut leur demander de fournir des études scientifiques prouvant hors de tout doute les effets positifs sur la performance ainsi que l'absence d'effets néfastes sur la santé. Il est peu probable qu'ils puissent en obtenir. On peut aussi se questionner sur le profit qu'ils peuvent en tirer en proposant des produits. Souvent, les bénéfices se limitent au profit qu'ils réaliseront sur leur vente. N'a-t-on pas le droit de décider de ce qui est bon pour la santé? Le sportif prend-il pleinement conscience des conséquences liées à l'utilisation de certains produits? Elles peuvent souvent survenir plus tard, lorsqu'on aura cessé de s'entraîner et de pratiquer son sport. Il n'en demeure pas moins que le dopage est d'abord une infraction au règlement qu'il s'est engagé à respecter. Je connais des sportifs qui se dopent. Pourquoi pas moi? Notre attitude à l'égard du dopage ne devrait pas être dictée par des situations données, mais se baser sur des fondements solides. Doit-on changer nos valeurs morales en fonction des autres, conserver celles auxquelles on croit et auxquelles on a adhéré en devenant membre d'une organisation sportive? Doit-on enfreindre les règlements parce que les autres le font? A-t-on l'habitude de tricher parce que l'arbitre a le dos tourné? De plus, on doit être conscient que si les sportifs se font prendre, ils devront subir les conséquences. Certains athlètes professionnels se dopent, pourquoi pas moi? Il est vrai que certaines organisations professionnelles sont permissives en matière de dopage et qu'elles n'ont pas encore adhéré au Code mondial antidopage. Cependant, il faut être conscient du fait que le sport professionnel véhicule un ensemble de valeurs qui ont plus à voir avec le profit qu'avec la santé des athlètes. Souvent, ces profits se réalisent au détriment de l'éthique sportive, comme on le connaît dans les structures et à l'intérieur desquelles les jeunes pratiquent leur sport. Le sportif devrait réfléchir sérieusement aux objectifs qu'il se fixe ainsi qu'à la possibilité de jouer un jour dans une ligue professionnelle. Il devrait se demander s'il est prêt à sacrifier ses valeurs morales et mettre sa santé en jeu simplement pour imiter les comportements d'athlètes professionnels ou pour chercher à réaliser un rêve qui n'est pas réaliste. Est-ce vraiment mal d'essayer? Nous vivons dans une société où les gens ont recours à toutes sortes de produits dont on banalise souvent l'utilisation. Le dopage n'est pas seulement une question de quantité, c'est une question de mentalité. La recherche de l'excellence doit se faire sans le recours à des moyens artificiels. Sinon, comment mesurer notre véritable performance? Si le sportif commence déjà à enfreindre les règlements, même légèrement, comment pourra-t-il changer d'attitude quand la compétition deviendra encore plus forte? Cet état de dépendance psychologique le suivra toujours. Comment peut-on se soigner légalement? Si un sportif participe à un niveau de compétition, et il n'y a pas de test antidopage et qu'il a vraiment besoin de se soigner, cette question ne devrait pas le préoccuper. Il est cependant faux de dire qu'on ne peut pas se soigner sans utiliser de produits interdits. Pour s'en convaincre, on peut se référer au livret de classification des substances de produits par le comité. Ce document dresse notamment la liste de médicaments courants qu'on peut utiliser sans craindre. Lorsqu'on consulte un médecin ou un pharmacien, on peut amener ce guide avec soi pour que ce dernier puisse s'y référer. Dans ce cas particulier où la santé d'un athlète nécessite l'usage de produits, on peut aussi s'adresser au comité pour obtenir les formulaires d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Nous continuerons avec la responsabilité objective.
Le principe de la responsabilité objective s'applique dans des situations dans lesquelles des échantillons d'urine et de sang recueillis sur un sportif ont produit des résultats d'analyse anormaux. Il signifie que chaque sportif est objectivement responsable des substances décelées dans son échantillon et qu'une violation des règles antidopage survient quand une substance interdite ou ses métabolites ou un marqueur est trouvé dans son prélèvement corporel. Il y a une violation même si le sportif a fait preuve de négligence ou qu'il n'ait pas agi intentionnellement. D'où vient ce principe? Avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2004 du Code mondial antidopage, le document de base servant au cadre aux politiques, règles et règlements antidopage des organisations sportives et des autorités publiques, le principe de la responsabilité objective était appliqué par le Comité international olympique dans son code antidopage et par la grande majorité des organisations sportives dans leur règlement antidopage. Conformément aux souhaits des partenaires de l'AMA, le code continue d'appliquer ce principe. Cette règle offre-t-elle une certaine flexibilité et permet-elle de prendre en compte les circonstances du cas ou l'intention du sportif? Oui, il existe une flexibilité quand une sanction est étudiée. La règle de la responsabilité objective est le point de départ alors qu'une violation des règles antidopage survient qu'elle était à l'intention du sportif. Le processus de sanction ne découle pas de la responsabilité objective et offre une flexibilité pour tenir compte des circonstances du cas. Comment le principe de la responsabilité objective est-il mis en pratique? Si l'échantillon concerné provient d'un contre-la-montre en compétition, les résultats du sportif dans cette compétition sont automatiquement annulés. Cette règle contribue à préserver l'équité pour tous les autres sportifs participant à cette compétition. En ce qui concerne les sanctions subséquentes, article 10 du Code, le sportif a la possibilité d'éviter ou de réduire la sanction s'il peut établir à la satisfaction du tribunal comment la substance est entrée dans son système, démontrer qu'il n'a pas commis de faute ou de faute significative, ou dans certaines circonstances qu'il n'entendait pas améliorer sa performance sportive. Cela signifie que le fardeau de la preuve repose sur le sportif. Le principe de la responsabilité objective établi dans le Code a été invariablement confirmé dans les décisions du tribunal arbitral du sport et du tribunal fédéral suisse. L'AMA a-t-elle effectué des changements en relation entre le principe de la responsabilité objective dans le cadre du Code 2021? Non, le principe de la responsabilité objective est resté en vigueur dans le Code. Ainsi, le tribunal arbitral du sport l'a invariablement confirmé. La règle de la responsabilité objective en cas de présence d'une substance interdite dans un prélèvement fourni par un sportif, assortie de la possibilité de modification des sanctions en fonction des critères énoncés, assure un juste équilibre entre l'application effective des règles antidopage dans l'intérêt où tous les sportifs et l'équité lorsque des circonstances exceptionnelles ont fait qu'une substance s'est retrouvée dans l'organisme d'un sportif sans qu'il y eût négligence significative de sa part.